Maman Olga, maman, la maman des 92%, la maman des voix sans voix, la maman du peuple congolais, la maman de la vérité et la maman qui vient parler pour le corps, pour les causes des peuples Congo, Congo avec un grand K. Mes chers compatriotes, je sais que deux fois vous trouvez que maman Olga, elle vient, elle disparaît, elle vient, elle disparaît. Mes chers compatriotes, vous devez comprendre que nous nous sommes engagés en tant que patriotes. Donc, nous gérons notre temps avec la famille. Nous gérons notre temps avec la vie privée. Donc, deux fois en tant que femme, mes chers compatriotes, ce n'est pas évident pour moi de toujours venir devant vous pour vous apporter l'actualité. Partager, dialoguer, communiquer avec ce peuple à qui ceux qui m'ont fait confiance, qui attendent, qu'est-ce que maman Olga va nous apporter, mes chers compatriotes. Moi, maman Olga, je n'apparais pas pour juste
me faire voir dans les réseaux sociaux. Maman Olga ne vit pas des réseaux sociaux. Maman Olga a une profession. Maman Olga travaille. Maman Olga a des responsabilités. Mais cet engagement que j'ai pris auprès de ce peuple, de communiquer avec ce peuple, ça vient de mes tripes. Ça vient de l'amour que j'ai envers ce peuple, de l'amour que j'ai envers mon pays, de l'amour que je dois à ce pays qui a fait de moi ce que je suis. Parce que avant que je vienne aux États-Unis, avant que je me déplace en France, dans tous les pays que j'ai fait du monde, c'est d'abord le Congo qui m'a reçu. C'est d'abord le Congo qui m'a donné cette priorité d'être, de me recevoir sur cette terre, de me recevoir sous le soleil congolais. Donc, je ne peux pas passer à parler, je ne peux pas me concentrer à parler, à féliciter autre chose que où j'ai vu mes premiers souffles de vie ont été consacrés. Chers compatriotes, les Congolaises et les Congolais, Maman Olga vient toujours devant sa caméra pour vous parler, pour partager ce que nous avons à partager ensemble. Ce soir, qu'est-ce qui me ramène, mes chers compatriotes? Attachez vos ceintures, prenez votre souffle. Parce que ce que je veux dire, comme il y a toujours des opinions différentes, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et c'est ça la loi de la nature. Tout le monde ne peut pas être contre, tout le monde ne peut pas être pour. Mais comme ma nature est pour ce que je suis venu devant vous, vous présenter devant les réseaux sociaux, le combat que je mène devant vous, c'est le combat de la libération de mon pays. C'est le combat de ne pas être fanatique. C'est le combat de ne pas être dans les sentiments, de raconter les choses telles qu'elles sont. Chers compatriotes, ce soir, je vais m'adresser à cette femme insensée. Cette femme insensée qui on a vu qui a emmené les enfants de son défunt mari à la justice. Pourquoi elle emmenait ses enfants, les enfants de son mari à la justice? Parce que ses enfants déclarent que la vérité. Cette femme insensée qui connaissait la vérité dès le départ, mais qui a voulu embrouiller, qui a caché, qui a voulu s'asseoir sur la vérité, qui a voulu boycotter la vérité, chers compatriotes, la vérité est têtue. Et surtout de nos jours, avec les réseaux sociaux, où à chaque instant que nous faisons quelque chose en public, cela ressort. Que nous avons ces téléphones, nous avons la communication qui va à une fusée, à une vitesse incroyable, et qu'on veut encore nous empêcher, on veut encore nous enfermer dans un mensonge, on veut encore manipuler le mensonge, chers compatriotes, cela ne va pas se passer. Nous sommes là pour décortiquer la vérité. Nous sommes là pour indexer ceux qui croient que le peuple congolais doit rester éternellement en otage, en esclavagisme imposé par les Mochis, en complicité avec les femmes que nos fils Congo, nos parents Congo, nos familles Congo vont épouser pour trahir leur propre population, pour trahir les siens.
Chers compatriotes, ce soir, je vais parler de cette femme insensée. Moi, maman Olga, parfois que vous trouvez qui vient vous parler dans les réseaux sociaux, qui parfois est dure. Ça, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Emmener les enfants de mon mari qui cherche la vérité. Une vérité qui est connue. Une vérité qui s'est su à l'instant que le crime s'est passé, à l'instant que l'assassinat s'est passé. Mais la femme, la compagnonne, la complice qui est censée être la complice du défunt, veut nous emmener dans des pistes à cacher la vérité. Chers compatriotes, je parle de cette femme qui est fatiguée, une femme qui, soi-disant, était aux côtés de son mari, qui est fatiguée de se battre à connaître la vérité, qui a emmené son mari vers la mort, qui aujourd'hui fait qu'elle soit une veuve, que si peut-être que nous allons même dire c'est une veuve joyeuse, parce que nous voyons ses réactions, nous voyons comment est-ce qu'elle agit, jusqu'à aller nous prendre des faux pastèques pour passer le message, pour parler au nom d'un fils Congo, aller nous chercher un nordiste, aller nous chercher un Mboshi qui a contribué à l'assassinat de notre d'un fils Congo pour parler au nom de ce fils Congo. Quelle honte, quelle trahison. Chers compatriotes, au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous allons faire, tout ce que vous faisons contre ce peuple, nous allons vous indexer. Nous allons vous parler et droit dans les yeux. Cette femme insensée a engagé les peuples congolais pour aller s'attaquer contre son opinion à elle. Vous qui êtes censés à nous faire des leçons de morale, comme quoi il faut respecter les opinions des autres. Pourquoi vous ne pouvez pas respecter aussi les opinions de ceux qui sont contre vos opinions à vous? Oui, maman Olga aujourd'hui vient vous parler dans le cadre de maman. Une maman est là pour protéger ses enfants. Peu importe nos divergences, peu importe nos chemins parallèles. Mais cela ne me donne pas le droit de voir que mon enfant est tiré, mon enfant est fracassé, mon enfant est battu par un groupe quelconque et que moi, maman, Olga, je veux regarder. Aujourd'hui, je viens parler de cette agression qui s'est faite à Faï-Monama. Dans la justice, dans l'enceinte de la justice, vous qui avez parlé de Faï-Monama, qui avez traité Faï-Monama en tant que bandit, en tant que agresseur, c'est lui qui a agressé soi-disant une maman. Et vous, aujourd'hui, vous répondez à l'agressivité. Vous répondez à des actes de barbarie. Et de surcroît, un pastèque est fier de ses actes. Un pastèque, vous qui allez chercher soit l'amour du prochain auprès d'un pasteur, auprès des hommes aux hommes de Dieu, aux hommes religieux. Et vous laissez aujourd'hui
Celui-là, il vient nous dire devant dans les réseaux sociaux. Le Massman a été tabassé. Il a été bien frappé. Vous voyez le contraste? La même personne qui critiquait autrefois que le combat, c'est pas par la violence. Mais aujourd'hui, lui-même, il vient prôner, il vient féliciter les actes de violence parce que cela vient de son côté à lui. Chers compatriotes, vous qui croyez qu'un homme de Dieu, parce qu'il vient vous parler que je suis un homme de Dieu, je suis. Vous lui faites confiance. Mais référez-vous à votre Bible. Référez-vous à vos chapitres bibliques. Référez-vous au message que Dieu vous a laissé dans la Bible. Pourquoi vous vous laissez berner par les dires des individus quelconques? Et au commencement, les mêmes personnes qui ont fait couler votre sang, les mêmes personnes qui ont été dans le passé dans le groupe de ceux qui ont assassiné vos prochains, qui ont le sang de vos familles dans leurs mains, qui ont les corps qui vous ont mis dans cette tristesse. Depuis des années. Et parce que, d'ailleurs, c'est le système de Denis Sassou Nguesso. Dès qu'il vous tourne le dos, ces mêmes personnes viennent pour manipuler le peuple, viennent sous une autre forme pour amadouer ce peuple. Comme le peuple congolais est sentimental, le peuple congolais, il suffit d'un petit truc. Une petite parole amadoueuse et il tombe dans le piège. Voilà qu'aujourd'hui, le peuple Congo, à qui on a bombardé, à qui on a empêché toute liberté, à qui on a offert des guerres, à ciel ouvert. Mais ces mêmes personnes qui vous ont tué, les mêmes personnes qui vous ont mené les cobras, les mêmes personnes qui vous ont mené toute cette milice nordiste dans le poule, toute cette milice nordiste a bombardé, a massacré votre propre famille. Et c'est les mêmes à qui vous faites confiance. Malgré qu'eux-mêmes, ils se font voir avec les individus qui supportent, qui ouvertement viennent vous dire que nous avons bombardé, qui se présentent avec les Bokilo. Qui partagent le repas avec les Bokilo, qui s'exposent avec le Bokilo, qui mangent, qui ouvrent leurs portes avec les Bokilo, qui sont fiers aujourd'hui à vous dire qu'ils vous ont bombardé, ils vont vous tuer, on va parler de vous au passé. Mais vous continuez quand même à faire confiance à ces mêmes individus qui serrent la main des personnes qui ont fait couler le sang des sudistes. Chers compatriotes, nous allons vous parler dans quelle langue? Betke zonzna benona wapindinga. Wap langue maman Olga qui est utilisée pour que ben kouwa. Parce que là, on ne comprend plus. Nous avons affaire à qui? Est-ce que Betke na kuzonza na bibulu?
orbite que nous avons dans la bantu, il y a un cerveau. Il y a une pensée, na ma banzu. Est-ce que nous nous adressons à vraiment des êtres humains, aux personnes conscientes, un pastèque? Bon, laissons d'abord son nom Ahmed Sow. Prenons maintenant dans le cadre de Numazalai. Numazalai a servi qui? Numazalai a été aux côtés de Denis Sassou Nguesso, a servi le gouvernement de Denis Sassou Nguesso juste du passé jusqu'à ce qu'il a été il était mort. Denis Numazalai a été le serviteur de Denis Sassou Nguesso. Donc il a servi à ce que Denis Sassou Nguesso vienne bombarder le sud, que Denis Sassou Nguesso fasse les massacres avec ses enfants, qui lui-même, il le dit tous les jours qu'il a été dans ce gouvernement, il a été dans cette famille. Et dernièrement, il nous a fait comprendre que c'est pas ils ont les divergences politiques, mais les liens de famille restent. Quel lien de famille que le pastèque peut avoir avec le gouvernement, si ce n'est pas les liens des tueries, des assassinats, des massacres du peuple Congo? Ben Fungu là-bas, réflexion à Ben. Je sais que Denis Sassou Nguesso, c'est ce qu'il a fait pour que le Congolais soit limité dans sa façon de réfléchir. Mais Ben qui n'a cuisé ça, on a coupé Fungu là Ben. Façon à Ben il a coupé réfléchir. Ça on a coupé Fungu là Ben. Penser à Ben. Ça on a coupé tout là Ben on a zila. Comment est-ce que Moutou l'aide cuise à Ben Mos Benakoutala? Nakatia Bible, Moumetala avait place ma maison, le triple king. Nakatia Bible, Moumetala avait côté ma maison, il faut Ben Konakou foi, bois la mouvima. Mais Nathalie Kolela, Nathalie Tati, la veuve heureuse, la veuve joyeuse, donne. Confie porte-parole à Yandi na pastèque, qui a donné tous les noms aux combattants, qui a insulté tous les résistants, qui aujourd'hui a le rôle, qui joue le rôle de déstabiliser la diaspora. Mais moi, je vais vous dire, peuple congolais, ce pastèque va déstabiliser les esprits faibles. Moi, maman Olga et la famille USK, on ne donnera pas ce privilège-là. On ne donnera pas cette faveur-là à ceux qui ont le sang des Congolais de nous déstabiliser. Ça ne va pas se faire. Et nous, les vrais patriotes, nous avons compris cela. Toi, vous allez penser que moi, maman Olga, c'est le pastèque qui a tous les péchés du peuple congolais dans ses mains qui va venir bénir maman Olga. D'ailleurs, je combats ce pastèque, mais j'ai la bénédiction de Dieu. Je combats ce pastèque, je fais la volonté de Dieu. Et Dieu m'écoute. Vous qui croyez que vous allez avoir votre résurrection ou votre compassion auprès du pasteur qui vient vous divertir, qui aujourd'hui veut faire son buzz, veut avoir veut faire sa publicité
son notoriété auprès des réseaux sociaux. Et vous lui avez laissé cette possibilité, vous lui avez donné cette autorité de vous manipuler. Vous lui avez donné ce pouvoir de pouvoir vous trimballer de gauche à droite. Chers compatriotes, les vrais Congo avec un grand K ont compris cela. Parce que ce vrai Congo connaît la vérité. Et ces vrais Congo savent qui est pour la libération, qui est pour la protection et qui est pour que le Congo de demain soit libre. Alors, chers compatriotes, je ne vais pas m'attarder. Je vais rentrer sur le vif du chemin, de mon objectif. Chers compatriotes, nous avons vu, ça fait presque une année que Parfait Kolela est décédé. Depuis le départ, nous connaissons la vérité. C'est pour ça d'ailleurs que moi, maman Olga, je ne me bats pas pour connaître la vérité. La vérité, nous le savons. Mais si c'est pour que la vérité soit sur papier, nous supportons, nous soutenons notre famille, les enfants, la sœur de Lady Kolela et ceux qui sont pour la vérité, nous les soutenons pour ça, parce que nous voulons la vérité sur papier. Mais autrement, nous savons la vérité. La vérité est que Guy Parfait Kolela a été assassiné depuis Brazzaville. Guy Parfait Kolela a été, c'est un corps sans vie qu'on a transporté en France, accompagné de sa femme Nathalie Kolela. Nathalie Kolela connaît la vérité. Elle connaît la vraie vérité de la mort de son mari. Mais comme elle est manipulée, comme elle est corrompue, comme elle a reçu des fonds du pouvoir de Pilat pour taire la vérité, pour bafouer la vérité. C'est pour ça que Nathalie Kolela est contre. C'est pour ça que Nathalie Kolela emmène les enfants de son homme, soi-disant l'homme qu'il a aimé, l'homme qu'il a épousé, emmène les enfants de son mari, de son défunt mari, au tribunal. Pourquoi? Parce que ces enfants-là ne déclarent que la vérité. Chers compatriotes, Nathalie Kolela, si tu es fatigué de ta de d'attendre que la vérité soit dite, que la vérité soit prononcée, laisse-nous le cadavre de Parfait Kolela. Toi, tu es une femme, tu es une intruse qui est venue rentrer dans la famille Kolela. Donc, tu es aussi libre de sortir de cette famille. Aller te faire une autre famille, comme aujourd'hui, nous savons tous de quoi tu es capable aujourd'hui. Parce que si tu as eu ce courage, tu as eu ce toupet d'emmener les enfants Kolela à la justice et de faire que d'emmener des groupes, des bandits pour attaquer ceux qui viennent, ceux qui ont accompagné les enfants de ton mari pour connaître la vérité, tes complices de la mort de ton mari. Tes complices de la mort de ton mari. Tu connais de quoi est mort ton mari. Tu connais la date. Quand tu as pris l'avion qui a fait des escales partout, jusqu'à aujourd'hui, Nathalie Kolela, tu n'as jamais dit. Tu n'as jamais cherché la vérité de la mort de ton mari. Tout ce que tu cherches, c'est l'enterrement de ton mari. Tu cherches, tout ce que tu cherches, c'est que ton mari soit enterré. Parce que tu veux avoir ta liberté.
Ta liberté, le peuple congolais te l'a déjà donnée. Sois libre de tes mouvements. Va épouser, repars dans ta famille Moshi. Repars dans ta famille qui t'a corrompu, qui t'a donné tout ce, qui t'a donné ce droit de tuer le leader, un fils Congo. Parce que nos fils Congo n'écoutent pas. Parce que nos fils Congo sont, nos parents Congo sont têtus. Parce que s'ils nous écoutaient, aujourd'hui, Kolela ne serait pas enterré. On aurait une force, peut-être, qui allait encourager, qui allait comprendre aujourd'hui. Parce que son message, c'était quoi? Battez-vous pour votre libération. Mais sauf qu'il a compris trop tard. Il a compris, il était déjà mort. Il était déjà dans son lit de mort. Mais il nous a quand même laissé ce message. Battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Mais toi, Nathalie Kolela, ton mari qui a laissé le message, battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Mais toi, tu combats ces enfants qui veulent la vérité sur la mort de leur papa. Chers compatriotes, à quoi joue le jeu de Nathalie Kolela? Nathalie Kolela joue quel jeu? Chers compatriotes, vous allez comprendre. Mon message aujourd'hui, c'est pour soutenir la vérité, pour soutenir les enfants Kolela, pour soutenir la sœur Kolela, tous ceux qui cherchent la vérité sur papier, parce que la vérité, nous le savions, nous la connaissons déjà. Dès le départ, moi, maman Olga, à qui vous avez jeté des pierres, à qui vous avez jugé de tout, vous m'avez insulté parce que je savais déjà la vérité, je vous ai apporté la vérité avant que vous sachiez que, avant que les gouvernements, les médias vous apportent le message, la nouvelle de la mort, pendant qu'on était en train de trimballer le corps sans vie de parfait Kolela, de Oyo à Olombo, en Algérie, à N'Djamena, par-ci, par-là. Maman Olga, vous avez déjà annoncé que le parfait Kolela était décédé. Donc, de quelle vérité nous cherchons? Nous cherchons la vérité sur papier, mais autrement, la vérité, nous le savions. Kolela a été assassiné par Denis Sassou Nguesso, par le pouvoir des Mouchi, en complicité avec les colons, en complicité avec l'Élysée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, l'Élysée, aujourd'hui, ils sont dans l'oblig, ils sont dans la difficulté de donner, de forcer l'enterrement de Guy Parfait Kolela. Donc, ils sont obligés de passer par le Nathalie, la veuve joyeuse. Puisque c'est elle qui a le droit direct de donner cette autorisation d'enterrer son mari par rapport aux lois occidentales, par rapport aux lois, à des lois françaises. Mais autrement, nous savons très bien que Nathalie Kolela, là où elle est, sa conscience, c'est qu'elle avait transporté un homme, un corps sans vie en France et que son mari n'est pas mort de Covid-19. Son mari est mort de l'assassinat, de l'empoisonnement fait par des moshis. Nathalie Kolela, maman Olga te dit ceci. Tu es fatiguée d'attendre la vérité, mais une personne qui aime son homme, une personne qui aime son mari, ne peut pas se fatiguer de connaître la vérité. Nous avons vu des femmes qui ont combattu pour connaître la vérité. Nous avons vu des familles qui ont combattu pendant des années pour connaître la vérité. Et toi, pour les quelques mois,
dont tu es consciente en quoi ton mari est décédé. Et tu veux précipiter la mort, l'enterrement de de ton mari parce que tu es fatigué. Est-ce qu'on peut être fatigué de la vérité? Est-ce qu'on peut s'en lasser de la vérité, de connaître la vérité? Tu es enlacé de la vérité parce que tu la connais. Au fond de toi, tu sais qui a tué ton mari. Et comme tu es en complicité avec ces personnes, tu es en complicité avec les assassins de ton mari. C'est pour ça que tu en as marre. C'est pour ça que tu combats les enfants de ton mari. C'est pour ça que tu combats la sœur de ton mari qui cherche la vérité. Moi, je serai Nathalie Colella. J'allais être aux côtés de ceux qui cherchent la vérité de la mort de mon mari. Mais toi, hélas, que tu es en train de faire le contraire, emmener un groupe de personnes pour attaquer ceux qui soutiennent les membres de ta famille proche, de la famille de ton mari, de la famille proche de ton mari, qui cherche la vérité. Tu vois à quel point tu as montré ta complicité dans la mort de ton mari. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que je vous avais dit, serrez vos ceintures. Maman Olga est toujours crue. Maman Olga, je vous apporte la vérité. Maman Olga, elle fait face à la vérité et elle parle et elle indexe tous ceux qui sont contre ce peuple congolais. Alors, mes chers compatriotes, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que Nathalie Colella a pu rassembler un groupe de bandits pour venir attaquer nos compatriotes au tribunal de Bobigny. J'ai honte pour toi, Nathalie. J'ai honte pour toi. Tu fais honte. Tu nous as montré, tu es allé t'allier avec les Mbochi qui ont tué ton mari. Mes chers compatriotes, nous savons qui est cette femme insensée. Nous savons qui est cette femme qui a tué son mari, qui a précipité la mort de son mari. Parce que si tu étais une bonne femme, tu nous aurais entendu. Tu aurais conseillé ton mari de ne pas aller à ces élections. Mais comme tu avais vu ton intérêt avec les Mbushi, tu as servi cette facilité qu'on puisse atteindre ton mari. Femme insensée. Nathalie Tati Kolela. Femme insensée. Nathalie Tati Kolela. Femme insensée. Nathalie Tati Kolela. Femme insensée. Tu vas suivre ton mari. Tu ne resteras pas en vie. Comme ce que les Céline Ngouabi ont fait, qui ont trahi leur mari et après ils ont fait des enfants avec l'assassin de leur mari. Toi, on ne va pas te laisser le faire. Nous, les enfants Congo, nous, ce peuple Congo, tu nous auras à ta gorge. On sera un morceau difficile à avaler pour le reste de ta vie, Nathalie. Chers compatriotes, ça c'était mon message à cette femme insensée, Zoba Mwasi. Zoba, bakoki ko manipulé yo. Dans tout ça là, qui c'est qui est perdant? Toi, tu peux aller te marier.
et ses enfants collés là. Tu leur empêches de connaître la vérité de la mort, de quoi est mort leur maman, leur papa. Tu leur empêches de connaître qui a assassiné leur père. Ndoki, Ozan Ndoki, Ngeke Ndoki. Mais Betonam Nge, Betke Big Nge Fasenven, Ngeke Futiao. Nathalie Kolela, tu es congolaise, tu es une femme, je suis une femme, tu vas le payer. Maïl Vani Bikak ma Kentun Vani Koufoua Babaka là-bas pour aller servir le pouvoir de Mboshi, ce n'était pas. Tu ne seras pas libre, Nathalie Kolela. Tes mouvements ne seront pas libres. Tellement que nous allons secouer le cadavre de Kolela, de Guy Parfait Kolela. Mbangeke vanda na yandi. Mbangeke yandi ke secouenge. Ngeke lal facile mauvais. Ngeke lal ba pongi paisible mauvais. Il ngeke na rompeche ke baba na yanji na kuzabe ferite ya lufa papa bao. Parce que ngeke na plan yange ya kaka. Ngeke na plan yange na okwe de rejoindre ba mboshi. Il me kufa bakalange. Alors, chers compatriotes, comme vous avez toujours les mêmes personnes qui ont condamné les actes de Faye Monama. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui sont fières des actes des ennemis qui sont allés attaquer Faye Monama. Jusqu'à un pasteur qui donne même les noms insensés à une personne, qui condamne, qui juge. Bibliquement, c'est Dieu qui juge. Mais ce pastèque qui condamne, qui juge, qui donne des noms aux résistants, qui passe les messages, des messages de mensonges au peuple, et vous allez parler de ce pastèque-là, honte à vous. Bozangi, ma pasteur, vous êtes désespéré à ce point. Vous êtes désespéré à ce point. Alors, chers compatriotes, voilà mon message à Nathalie Kolela. Tu paieras cher. Ainsi, maman Olga a dit. C'était mon soutien et c'était mon coup de gueule à cette femme insensée, Nathalie Tati Kolela. Ainsi, j'ai dit.